Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo facecam filmée à l'arrache, voilà, pour vous en dire un peu plus sur le lancement de la saison 2 et notamment sur la diffusion donc de cette saison, parce que voilà, il y a pas mal de choses qui vont changer par rapport à la saison 1, à commencer par le créneau horaire de diffusion sur YouTube. Et pas seulement ça, il y aura pas mal de choses qui vont aussi évoluer dans l'animation de la communauté. Et donc, je vais commencer par prendre les points dans l'ordre. Tout d'abord, le créneau de diffusion sur YouTube. Initialement, vous le savez, l'année dernière, sur la saison 1, c'était le lundi à 19h. Donc, c'est plus le cas. Ça va plus être le cas. Maintenant, ça va être le vendredi à midi. Donc, dès midi, le vendredi, on sort les épisodes. Alors dès midi, c'est un peu tard par rapport à lundi, vous me direz, mais ça permet à nous d'avoir une meilleure visibilité aussi, puisque la plateforme YouTube est plus utilisée avant le week-end, notamment pour des longues vidéos comme celle-ci, où les gens en fait repèrent en avance les vidéos qu'ils vont regarder le soir ou le week-end. Donc le vendredi à midi, c'est pas mal pour ça. Mais c'est pas tout, parce que du coup, vu qu'on vous fait une sortie le vendredi à midi, tant qu'à faire, autant créer un petit peu plus de synergie dans la communauté, et pourquoi pas proposer juste avant le week-end, le vendredi soir, une petite soirée sur le Discord. Donc voilà, donc tous les vendredis soirs, après diffusion d'un nouvel épisode, vous pourrez nous rejoindre sur Discord. Alors je vous assure pas que tout le cast soit présent, en tout cas il y aura au moins une personne du cast qui sera présente pour parler de tout, de rien, et de l'épisode qui sera sorti dans la journée. Donc vous dites certainement le vendredi ça m'emmerde, j'aimais bien le lundi. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont se dire c'est dommage, j'aimais bien, c'était un jour où il n'y avait rien d'autre qui était disponible. Pourquoi on le déplace, je vous l'ai expliqué vis-à-vis de YouTube. Mais c'est aussi pour mettre en avant notre Tipeee. Notre Tipeee donc qui nous permet de, en partie, financer ce qu'on fait ici sur cette chaîne. Et ce Tipeee, donc sur ce Tipeee, vous pouvez, pour la somme initiale d'un euro, voilà, avoir accès à l'exclusivité de l'épisode de la semaine qui sortira, lui, sur Tipeee, le lundi à 19h pour ceux qui auront tipé la chaîne. Donc voilà, ça permet de mettre en avant notre Tipeee et de récompenser encore un peu plus les gens qui nous aident à nous financer, qui nous aident dans cette belle aventure. Donc n'hésitez pas, juste pour 1 euro sur Tipeee, vous pouvez tout à fait avoir accès à l'épisode dès le lundi soir à 19h en avant-première. Alors bon, c'est une mise à disposition via un lien privé sur YouTube. Donc évidemment, aux personnes qui sont tipeurs, nous vous prierons de faire preuve de respect vis-à-vis de ce fonctionnement et donc de ne pas aller divulguer le lien de la vidéo en privé à tout le monde, histoire que tout le monde en bénéficie avant la sortie officielle sur YouTube. Non, non, le but c'est vraiment d'encourager les gens à venir nous soutenir sur Tipeee. En parlant de Tipeee, donc n'hésitez pas à aller évidemment nous y soutenir, hein, vous pouvez nous aider avec différents montants et avoir de belles récompenses. Donc j'en ai parlé dès le 1 euro, voilà, vous avez accès potentiellement à la sortie des épisodes dès le lundi soir à 19h, comme avant, comme lors de la saison 1. Mais pas seulement, si vous mettez 5 euros, donc vous avez la possibilité, enfin en fait pour 5 euros concrètement, vous nous permettez d'acheter un asset qui nous permet de faire des maps, voilà. Un groupe de tokens, c'est à peu près 5 euros. Voilà. Donc ça nous permet d'acheter ces assets-là, ces assets que j'utilise assez fréquemment et très souvent pour la création des maps. Pour 10 euros, vous avez les maps du mois qui vous sont envoyées. Ça se renouvelle chaque mois, hein, le type. Donc c'est pareil, vous faites 1 euro et normalement vous avez accès à toutes les vidéos du mois, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près ça. Bon, on verra en cours d'utilisation si c'est exactement ça ou pas, je me corrigerai au pire dans les épisodes, je le dirai. Mais normalement c'est ça, vous payez 1 euro sur tout le mois et vous avez accès à tous les épisodes dès lundi soir. Donc c'est plutôt avantageux. Hein. Enfin, dernière contribution, donc il y a aussi à partir de 20 euros, et cette récompense-là est limitée à 3 par mois seulement, et à 1 par personne. Vous avez la possibilité de créer un PNJ.
et de nous l'envoyer. Et moi, de mon côté, je vais la mettre dans ma réserve de PNJ. Donc ce PNJ va rejoindre la réserve de PNJ et pourra être utilisé au cours de la saison 2. Je ne vous assure pas qu'il sera utilisé dans les sessions qui suivront directement, mais j'essaierai de l'utiliser le plus rapidement. En tout cas, il rejoindra la liste de PNJ que j'ai créée de mon côté et que d'autres viewers ont créée également. Donc ça, c'était pour Tipeee. L'essentiel, c'est surtout de savoir que vous pouvez avoir accès aux vidéos et en même temps, tout en nous soutenant, tout en nous aidant. Voilà. Qu'est-ce que ça nous permet au-delà des assets? Ça nous permet aussi de pouvoir payer de belles illustrations comme celles qu'on a pour cette saison 2, comme celles qu'on avait pour la saison 1, comme celles qu'on aura certainement pour la saison 3, et également le graphisme par Ibilia, qui est toujours la graphiste derrière tout ça, mais à qui on demande un petit peu de faire évoluer le graphisme entre les saisons, et donc bah, évidemment ça a un coût aussi, puisque tout travail mérite salaire, et en parlant du fait que tout travail mérite salaire, on aimerait bien à terme aussi pouvoir rémunérer B-Dragon qui fait les montages. Enfin, la grande nouveauté pour cette saison, vous l'avez vu, c'est un peu sorti courant de l'été, sur la fin de l'été même plutôt, nous sommes maintenant disponibles en podcast sur toutes les plateformes, ou du moins les principales. Donc n'hésitez pas à en proposer d'autres si la vôtre n'est pas dans la liste. Vous pouvez aller voir sur notre Linktree notamment pour avoir accès à toutes les plateformes sur lesquelles on est présente. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas sur Linktree mais sur lesquelles on est quand même présent. Donc n'hésitez pas à aller checker. Si ce n'est pas le cas, laissez un commentaire et on fera le nécessaire pour être présent sur cette autre plateforme. Les sorties d'épisodes en format podcast sortiront le lundi qui suivra le vendredi de diffusion sur YouTube. Donc voilà, l'exclusivité, d'abord Tipeee, puis YouTube, puis podcast. Voilà, pour l'ordre de sortie. Enfin, un autre sujet, c'était les débriefs. Les débriefs sur la saison 1, vous savez, qui intervenaient tous les 4 épisodes pour bien faire le point sur ce que moi j'avais prévu initialement lors de la séance, ce qui s'est réellement passé en échangeant avec quelques joueurs qui sont présents pour ce débrief. Eh bien, ces débriefs vont un petit peu changer par rapport à la saison 1. Ils seront toujours présents, ils interviendront toujours au bout de 4 épisodes, mais cette fois-ci, ils seront tournés en live. Voilà, on s'est rendu compte au cours de la saison 1 que ça manquait un petit peu de vos questions, de réaction à ce que vous pouviez éventuellement poser sur les épisodes. Donc là, on va mettre ça en place sur la saison 2. Les débriefs se feront en live. Alors, où ça? Eh bien, sur notre chaîne Twitch, twitch.tv/lesdés sont jetés, tout attaché et sans accent, et avant d'être posté en rediffusion sur YouTube dès le lendemain, je pense. À peu près dès le lendemain. Ouais. Voilà, pour les débriefs qui, je pense, vont devenir un rendez-vous récurrent assez sympathique sur la chaîne. Ça va être aussi l'occasion, si on a eu, par exemple, un invité lors des sessions de tournage, d'avoir aussi cet invité lors du débrief et d'avoir son avis sur la partie. Et puis, eh bien, sinon, pour rester sur le sujet de Twitch, on va essayer de vous prévoir aussi quelques surprises au cours de cette année, tout au long de l'année, du type des bacs à sable, comme le bac à sable qu'on a pu faire cet été. Je vous invite à aller le voir, notamment, ça doit s'afficher, non, là, de ce côté-là, en haut, là. Juste là. Vous avez les épisodes donc du bac à sable dans la mythologie grecque qui est sorti cet été avec une team assez étonnante. Et vous avez aussi donc encore ici un épisode précédent qui était donc le bac à sable sur South Park. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous annoncer pour cette saison. J'espère qu'elle va vous plaire. Elle sort très bientôt. Au moment où je sors cette vidéo, elle sort à partir de la semaine prochaine. Donc, guettez bien ce qui se passe. N'hésitez pas à aller tipper, du coup, pour avoir accès en avant-première dès lundi au premier épisode de la saison 2. Saison 2 qui, je peux vous l'annoncer dès maintenant, s'intitule « Les orphelins du destin ». Je vous lâche cette petite information. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Amusez-vous. Mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. C'était Goldie pour toute la team des dés sont jetés.
À très très bientôt sur les épisodes. Ciao ciao.